Attendez, c'est quoi ce délire? Non, il y a un ordre, c'est ça? Il y a un ordre à suivre, mais peut-être qu'il nous sera donné plus tard. 1853. Ok, parfait. Ça va être un code pour autre chose. En tout cas, on peut quand même tenter. C'est où c'est 78, je me souviens plus. Ah non, ok. Ok. Bien, bien, bien. Ici. Mille huit cent cinquante-trois, c'est ça? Oh merde! Ah, il y avait un numéro dans... C'était 24 631 de mémoire. Mais il y avait un numéro dans... Ah, dans le chapitre Like. Je l'ai pas retenu. Je l'ai dit à haute voix en plus.
Attends, excusez-moi. Hein. Ok. On va essayer de trouver. For you, Crow. Ok, c'est bon. Et donc là, le 1853. C'est pas ça. Ça, je sais pas trop quoi en faire, des mouches. Non, ça te... Ah, bordel, ok. Ok. Donc là, attendez. Actuellement, c'est un game over. Ok, d'accord. Ok. Ok, d'accord. Pas très clean tout ça. Ok. Ouh. C'est pas pour ça, c'est pour ça. Dossier. Lady of the Lake by Lacus Fléau. Ok. Oh, ce bordel. Oh, ce bordel. Ok, d'accord. Wow, cet enfer. On va demander l'indice. Je vous annonce tout de suite qu'on va demander l'indice.
que là. Ok. Merde, je suis coincé. Ok. Donc ça c'est le dernier, donc il faut. Ok, d'accord. Bah c'est bon. Wahou! Et bah bonne question mon con. Bon, ok. On va aller voir le cadavre quand même. Oh! C'est élégant ça, mais ouais. Au niveau du pied, il n'y a rien. Enfin, je. Ok. Donc j'ai le 1. Ok, donc j'ai 1, 2, 3, 4. Bon. Pas trop ce que ça représente, un œil. À gauche, j'ai pas une maison. Je sais pas à quoi ça correspond. Hein. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit. Donc du coup, ça on est d'accord. Non. Fait.
T'es pas très net, mec, mais d'accord. Fate, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Je crois que ça veut dire fierté. Attendez, excusez-moi, je... Bon, bah écoutez, dans une... de toute façon, dans une vingtaine de minutes, résultat, j'arrête le tournage. J'ai un ami qui va arriver. C'est ok. Bon. Malheureux scarabée. Une 853, ça, je sais pas quoi en faire. Ok, il y a un truc. Le cube, la main, l'église, l'œil. Rond, parapluie à l'envers, la cible, le carré. Merde. Zéro 24 355. Mais alors? C'est 355, hein. Excusez-moi, je me suis planté, c'est ça?
C'est ça. Ah, c'est destin en fait. I'm sorry, your place is already taken. Ok. Il manque encore des trucs. Si j'ai rien. D'accord, 14-21. De Rusty Lake. Chapitre 2 sur 4. L'enquête. Durant des mois, je ne pus penser à rien d'autre qu'aux événements survenus après la découverte de cette femme morte. Qu'est-ce que Rusty Lake? Je rassemblais toutes les informations dont je disposais et m'enfermais dans mon bureau afin d'en apprendre plus sur Rusty Lake et cette mystérieuse femme. Eh ben, on fera ce chapitre-là plus tard, hein, voilà, moi je devrais peut-être tourner là, mais demain, c'est dimanche, je continuerai de tourner. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Ben, à tout de suite pour vous, à plus tard pour moi. Bien, donc, hop, je relance, je prends monsieur le jeu. Voilà, donc nous nous retrouvons... Oui, alors pour moi c'est une nouvelle session de tournage. Donc on avait lu hein, le texte, il me semble la dernière fois. Ah non. Oh, hey. Excusez-moi. Hein. Ça y est, je commence à parler le chasse rebelle. Ah, ok. Il y a une croix là. Ok. Ok, oui, on incarne donc Vandermeer, hein, évidemment. Je l'ai pas dit à l'épisode précédent, mais il est évident que le détective que l'on incarne, c'est Monsieur Vandermeer. Oh. Il est infernal, lui. Je sais pas ce qu'il a. Bon, j'ai activé le ventilateur, je sais pas si. Oula, il augmente vachement vite, non? Ah, c'est plus je clique dessus? Attention. Bon. On verra ça plus tard. Ici, j'ai un code, une télé. Ok, j'ai mis. Ah, d'accord, on est dans la salle d'interrogatoire. Vous pensez que c'est Robert Hill? Parce que, ah oui, parce que je l'ai pas. On n'en a pas parlé, mais dans Cube Escape. Pas Collection, celui qu'on a fait avant. Dans le chapitre 1 de. Paradox. Comment? Il y a un livre dans la bibliothèque qui s'appelle. Et qui est écrit par un certain R. Hill. Et évidemment, il s'agit ben, de Robert Hill que l'on connaît de comment?
de The White Room, du chapitre The White Room. Ok, là-bas on a quelque chose. Une tasse de café. On a un marqueur, là on a un truc, là on a une... Excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Alors, oh, le grand retour. Le grand retour de la machine à écrire. Ah bah attendez, bah ouais, ok, d'accord. J'ai compris. Alors, on va commencer peut-être par ça. Et on va aller se chercher un petit peu d'eau. C'est là qu'on voit ceux qui savent faire du café et ceux qui savent pas. Hop, on repose le bro. Ah bah oui, hein, c'est autre chose que les machines à capsules, hein. Ouais, je pense que c'est pas encore suffisamment vieux pour que des jeunes ne connaissent pas ces machines à café là, mais c'est encore assez répandu. Mais ça disparaît au profit des cafetières à capsules qui sont une véritable arnaque. Enfin bref. Du coup, bah ouais, je me fais une petite tasse. Je suis bête, moi. Allez! Ah, 247. On lit dans le marc de café. Quoi? Voyons un peu. Ça a l'air d'être le milieu de page. Ah. Ça a l'air d'être le pied de page. Voilà. Et pourquoi il l'a envoyé si bas là? Et... Attendez. Hop. Le vieil homme marchait le long du lac. Le vieil homme. Alors qu'il approchait du moulin, le temps s'arrêta. Les chiffres apparurent au-dessus du lac. Ok. Ah.
Ah si, c'est ça pourtant. Walkid. Voici Lake 1000. Ah, purée, d'accord, ok. Mince! Il a pas pris le deuxième P. Stopper des numbers. J'ai double-cliqué sur le P, mais. Et là, donc, numbers. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? C'est un peu absurde parce qu'on peut superposer ces, normalement ces trucs-là dans le monde réel. Hein. Mais bon. Les films plastiques. Ah zut, j'ai... Putain. Ok, d'accord. J'ai effacé. Du coup, je recommence, je suis désolé. Thank you.
sais pas trop. Est-ce que ce. Parce que pour moi, là, il y a 3, 2, 6 et 5. Le 3, il est au plein milieu de la forêt. Est-ce que c'est valide? Est-ce que c'est valide ou pas? Le 1, il est dans le vide. Le 7, il y a des collines, mais sans plus. On verra ça. Mais. Et j'ai oublié de noter le 9, mais le 9, il doit être là. Attendez, j'ai oublié de noter le 9, alors on va. Ouais, j'ai eu un bug. J'ai pas compris. Le 4. Et le 9. Et j'appuie pas sur cette putain de croix. Du coup, ici. Pas tracer d'autres choses. Bon. Ça, on savait. Donc, un, y a rien, chapelle là. Je sais que ça ressemble plus à une pierre tombale qu'à autre chose, mais
On va essayer d'autres trucs. Pas me recevoir un café. Bonjour le chat. Non, faut pas lui prendre une touffe de poil. Tu veux du café? Je te refais les moustaches au feutre? Je sais pas, je. Bon, il y a un chat ici. En forme. Ok, super. On est content pour toi. Café, mon vieux? Non? Bon. On va commencer à faire appel aux indices, je pense. Ok, il y a un oiseau à récupérer quelque part. Wow, super. Franchement, merci, hein. Ça, non, ça aide. Donc ça, ok. Donc ça, on a fait. Wow, il y a l'explication de comment tu fais du café. Super. Ok, c'est ce truc-là pour revenir en arrière si jamais on s'est planté. Bah ok, bah merci. Et donc on s'est versé du café, ça c'est bon. Ah! Oh là là là, c'est un peu méta ça. Bon, du coup, on sait quoi faire. Pour le coup, j'ai pas cliqué sur indice pour le voir, mais hop. Ok.
Bah. Méchant chat. Ok, et maintenant? Je sais même pas ce que c'est ce truc là. Ah c'est le... Ah ça y est, je sais ce que c'est. C'est la cabine. Ok, d'accord. Alors ça ferait... De 5-9-4. On va essayer de le noter. Du coup, chapelle, caverne, cabine et bridge. Donc ça, c'est faux. Bon. Chapelle, cave, cabine et bridge. Je suis trompé en écrivant? Non, c'est ça pourtant. Là, je vois pas. Ok, super. J'ai un 9. Quoi?
C'est combien? C'est 300... 392.